Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce jeudi. Explosion de cas de Mpox en RDC. Inquiète, plus de 1000 cas ont été enregistrés et 35 décès en une semaine. La semaine 33, depuis les débuts de l'année, la RDC a déjà enregistré 610 décès. La province de l'Équateur, parmi les provinces les plus touchées, des chiffres communiqués par le ministre de la Santé. Vous l'entendrez au début de ce journal. Également au sommaire de votre secteur, emploi des jeunes, faible soutien des autorités envers des jeunes entrepreneurs et autres questions qui fâchent les jeunes congolais en pleine discussion entre le gouvernement et la jeunesse congolaise à Kinshasa lors d'une table ronde inclusive. Des travaux ont été lancés hier par la première ministre Judith Suminwa. Le détail dans un instant. Et enfin, c'est fini avec les eaux gratuites des forages. Tous les forages auront désormais des compteurs intelligents. Décision prise pour lutter contre les captages d'eau illicites, une pratique qui prive la régie des eaux de ses ressources. Un nouveau projet de mise en conformité vient d'être lancé par les ministres de ressources hydrauliques. C'est tout pour le titre de ce jeudi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nos régionales radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, explosion des cas de Mpox en RDC. Inquiète, plus de 1000 cas ont été enregistrés, 35 décès en une semaine. Depuis le début de l'année, la RDC a déjà enregistré 610 décès sur les 17 000 cas. La province de l'Équateur, parmi les provinces les plus touchées, des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, au cours d'une communication à la Nation. On l'écoute. Selon le rapport épidémiologique, 1372 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès ont été signalés dans les provinces les plus touchées à la semaine 33. Le cumul des cas suspects depuis le début de l'année est de 17 801 avec 610 décès. Ceci donne un taux de létalité de 3,4%. À l'ouest, ce sont les provinces de l'Équateur, du Sud-Ubangi et du Maïndombé qui sont les plus touchées. À l'est, ce sont le Sud-Kivu et le Nord-Kivu qui sont les plus touchés. Au sud, ce sont les provinces de Lualaba et du Olomami. Au centre, la Tchopa, la Tchopo, le Sankuru, le Kasai. Et au nord, la Mongala et le Nord-Ubangi. Grâce aux efforts menés par les équipes de riposte déployées dans les différentes provinces et grâce à la mise à jour des données, la qualité des informations sur les cas s'est considérablement améliorée. Par exemple, pour la région de l'Équateur, cette qualité est passée de 38 à 86% et pour la région du Sud Ubangi, de 47 à 97%. La maladie est bien présente et selon les données probantes, elle peut se transmettre de trois façons. D'abord d'une personne à une autre, mais aussi d'une personne par contact direct avec des objets contaminés et, comme à l'habitude, d'un animal à un homme. Le sanguinaire Paul Kagame et ses colistiers qui agressent la RDC doivent être sanctionnés. Ce sont deux mots durs et la colère du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbaï, l'a dit lors du séminaire de la coopération régionale interparlementaire sur le changement climatique qui s'est tenu en Guinée équatoriale. Alain Bikaï pour d'autres précisions. Central. Ont réfléchi et proposé des solutions dans la lutte contre le réchauffement climatique qui menace leur continent. À l'occasion, la délégation congolaise, conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a appelé les pays de cette sous-région à un engagement plus fort dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection du bassin du Congo. Le numéro D de l'Assemblée nationale n'a pas loupé l'occasion pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, qui est pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le professeur Jean-Claude Chilumbaï a haussé les tons pour dénoncer la barbarie du sanguinaire Paul Kagame et son armée qui tue, et puis les ressources naturelles de la RDC, ainsi que la destruction de son écosystème dans les parcs de Virunga.
Pour ce faire, l'émissaire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé les pays amis de la République démocratique du Congo à participer à la résolution de ce conflit économique qui a déjà fait près de 10 millions de morts. L'Afrique a besoin de vivre et de vivre mieux, de faire vivre paisiblement ses enfants d'aujourd'hui et de rassurer l'espoir pour ceux qui viendront après nous. C'est une cause dans laquelle nous sommes tous engagés. Ces assises ont connu la participation de plusieurs personnalités venues de partout. Emploi des jeunes, faible soutien des autorités envers des jeunes entrepreneurs et autres questions qui fâchent les jeunes Congolais. En pleine discussion entre le gouvernement et la jeunesse à Kinshasa, lors d'une table ronde inclusive, ces travaux ont été lancés par la première ministre Judith Suminwa, qui a aussi invité les jeunes à la culture de paix et des tolérances. Jemi Madiane Mougo, Pompo Mba et Patrick Djokoukou pour le détail. Les jeunes face au gouvernement, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, en première ligne. Cet espace de discussion est un cadre idéal pour aborder les questions qui fâchent les préoccupations des jeunes dans un esprit démocratique. Vous êtes ici pour faire entendre vos idées, vos espoirs, vos préoccupations et surtout pour définir l'avenir de notre nation dans la paix. Autour de la table, quelques membres du gouvernement. Une représentation des Congolais de l'ensemble du pays tirée des différentes filières mobilisées par la ministre Noëlla Ayega-Nagato de la Jeunesse et Éveil Patriotique. J'exhorte tous les décideurs et partenaires, acteurs de la paix et du développement, tous participants de la table ronde, à apporter des solutions concrètes aux préoccupations et propositions à l'âge à venir. Et ce, enfin, de nous soutenir de manière conséquente dans l'amélioration des conditions socio-économiques des jeunes, ainsi que dans la promotion de l'éducation à la vie civique et à l'encadrement patriotique de la jeunesse congolaise. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028, à son quatrième pilier, prévoit quelques actions en faveur de la promotion des jeunes et leur insertion socio-économique. Les facilités à l'accès au crédit, aux conditions avantageuses à travers le FOGEC notamment. Nous attendons de ce gouvernement dirigé par Son Excellence Madame Suminwa, des actions concrètes, notamment par l'entrepreneuriat, parce qu'elle a dit elle-même, l'État seul ne peut pas, il faut associer les privés. Et les privés, c'est nous, les jeunes entrepreneurs. Voyez-vous, c'est vraiment, si pas renforcer sérieusement le FOGEC, mais aussi en créer plusieurs, pourquoi pas. Maintenant, à la remercier pour tout ce qu'il a promis. Et nous pensons que nous, à notre niveau, en tant que jeunes, on va prendre nos responsabilités et on sera là en train de faire le suivi afin que tout ce que c'est la première ministre a prononcé puisse être pris en compte et que ça puisse être réalisé tout au long de son mandat au niveau de la tête de notre pays. La première ministre a encouragé une culture de paix et de tolérance à travers une éducation de qualité fondée sur l'éveil de la conscience collective de la jeunesse congolaise. Le rapport de l'audit sur le financement des opérations de maintien de la paix dans la partie est de la RDC. Ce sujet fait débat à Nairobi au Kenya lors des travaux de la 54e réunion extraordinaire du Conseil des ministres en charge des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et c'est le ministre de l'intégration régionale Didier Mandenga qui représente la RDC à ses assises. Plus de précision avec notre envoyé spécial William Tounakov. Le ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazenga Mokandou, visiblement très déterminé à porter très haut la voix de la République démocratique du Congo contre l'agression rwandaise et les pillages de ses richesses naturelles à travers une diplomatie agissante impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est rendu à Windsor Golf Hotel. Sur place, l'infatigable diplomate régional, maître Didier Mazenga Mokandou, a, au nom du gouvernement de la RDC, pris part active aux côtés de ses pairs de la sous-région à l'ouverture des travaux de la 54e réunion extraordinaire du Conseil des ministres présidé par la ministre kenyane en charge des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC. Plusieurs matières seront discutées au cours de ces conseils des ministres, plus particulièrement le rapport d'audit sur
les financements des opérations de maintien de la paix dans la partie est de la RDC qui étaient menées jadis par les troupes de l'EAC dans la province du Nord Kivu. Rappelons que cette rencontre au niveau ministériel a été précédée par le travaux préparatoire des experts le 27 et 28 août 2024, au cours desquels il s'est agi d'analyser et valider le rapport d'audit qui sera présenté au Conseil des ministres de ce jeudi 29 août 2024 à Nairobi, ici au Kenya. Plusieurs entrepreneurs belges seront à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi au mois d'octobre prochain pour une mission économique et la Fédération des entreprises du Congo, FEC et l'ambassade de la Belgique en RDC préparent déjà l'arrivée de ces investisseurs, comme nous disent Edith Chalakatala et Julien Piana dans son reportage. Cette rencontre du président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Robert Malumba, avec l'ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderling, est une occasion pour parler des affaires. Des nouvelles voies de collaboration et d'investissement dans les deux pays ont été explorées. Robert Malumba croit que le partenariat économique entre les deux parties est une force pour le développement durable, créateur de richesses et d'opportunités pour les hommes d'affaires. Seul bémol, un dossier de demande de visa Schengen prend près de 8 semaines, pas de nature à favoriser le mouvement des hommes d'affaires. Avec la FEC, nous avons un peu fait le tour des questions qui animent les priorités. On pense évidemment au sujet numéro un, c'est le climat des affaires, comment améliorer ce climat des affaires. Et la Belgique espère aussi pouvoir davantage encore attirer des entreprises ici en RDC, les encourager à venir investir, à venir créer de l'activité économique, de la croissance, de l'emploi. Tout ça est évidemment essentiel. Je pense qu'il y a une mission économique qui va être menée par un certain nombre d'entrepreneurs belges qui seront ici dans notre pays au mois d'octobre ou qui vont visiter ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi. Et vous savez, comme les entrepreneurs viennent, ils ne peuvent que prendre en amont des contacts avec la FEC, qui est le patronat congolais, pour voir ensemble nous pouvons mener cette mission. Ces rencontres s'enchaînent et permettent à la plus grande organisation patronale de la RDC de s'ouvrir de nouveaux horizons. Nouveau round, gouvernement, direction générale de l'ONATRA et les banques syndicales de cette entreprise. Ensemble, ils ont évalué le niveau d'exécution des préalables du protocole d'attente relatif à la concession du port de Matadi. Il ressort de ces échanges que seulement 30% de ces préalables sont jusque-là exécutés. Nicole Sesseplouka. Après la validation du procès-verbal de la réunion du 24 juin dernier entre les banques syndicales de l'Office national des transports ONATRA et le groupement Matadi Corridor Terminaux Containers sur la mise en concession du port de Matadi, l'heure est à l'évaluation du niveau d'exécution des préalables du protocole d'accord sur la modernisation du port de Matadi qui joue un rôle très important dans l'économie de la République démocratique du Congo. Cette réunion, présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a permis aux banques syndicales et à la direction générale de l'ONATRA de faire une évaluation à mi-parcours de ce projet. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, la signature des pactes d'actionnariat entre les mandataires, la mise à disposition urgente, paiement des dépayés. C'est une question urgente, comme promis par son Excellence, Monsieur le Président de la République. La délégation de l'ONATRA a eu les assurances du patron des transports, voies de communication et désenclavement sur l'aboutissement de ces projets ambitieux du gouvernement congolais. Les préalables qui ont été posés ont été résolus à 30%. Après, il y aura une convocation de la réunion avec nos amis des MFD pour pouvoir signer le pacte d'actionnariat lui-même. À noter que les deux décrets portant sur le fonds social ainsi que la redevance fixe et variable de l'ONATRA sont déjà dans le processus de signature par la chef du gouvernement, a rassuré Jean-Pierre Bemba Gombo.
Les contacts ont repris depuis hier entre le ministre de la Communication et Médias et les membres du comité de suivi des états généraux de la communication pour le préparatif du congrès de l'Union nationale de la presse congolaise prévu au mois de septembre prochain. Devant le membre de ces comités, Patrick Muyaya a mis en relief la transparence et le respect des procédures financières au départ. Cette réunion de reprise des contacts entre les ministres des médias et les comités de suivi des états généraux institués à la clôture des assises de janvier 2022 tenues à Kinshasa a connu la participation de tous les membres, notamment les enseignants en sciences de l'information et de la communication, les journalistes professionnels, les représentants de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, ainsi que des publicitaires. Les ministres Muyaya considèrent ces comités de suivi comme un allié de taille. Il devra continuer de se battre sur la salubrité médiatique vulgarisée. La loi au sein de la corporation à propos du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, prévu pour mi-septembre prochain, les ministres de la communication et des médias, Patrick Muyaya, ne jure que sur la transparence et le respect des procédures financières voulu par le gouvernement congolais, tout en martelant sur la revalorisation du métier des journalistes qui se détériore au fil du temps. Enseignant et membre actif de l'UNPC, Adelard Oboul Okwes a prodigué quelques conseils aux congressistes et aux journalistes, les exhortant sur les rôles du journaliste qui doit être réhabilité pour gagner l'adhésion du public et assurer la crédibilité. Que les gens devaient prendre conscience qu'il y a une responsabilité sociale qui est cachée derrière ce travail de journaliste. Il faut donc être plus responsable et plus consciencieux. C'est ça qui fera de chacun de ceux qui exercent des vrais journalistes, contrairement à ceux qui ne l'exercent pas comme cela devait être. L'UNPC a traversé des moments de crise, c'est humain, cela pourrait peu arriver. Maintenant, il faut repartir sur de nouvelles bases, et ces nouvelles bases ne peuvent être refondées qu'à travers un congrès. Les journalistes vont se réunir autour de certaines questions, notamment la réforme des textes pour l'innovation de la presse congolaise et voter des nouveaux animateurs de cette structure d'autorégulation afin de donner une nouvelle image et donner un nouveau départ face à tous les écarts des comportements. Plusieurs infrastructures sanitaires totalement réhabilitées dans la province du Sud Kivu par le programme multisectoriel de nutrition et santé viennent d'être remises officiellement par le gouvernement provincial. Et c'est une délégation de la structure unité de gestion des programmes de développement de systèmes de santé qui a fait le déplacement pour procéder à cette remise, comme nous dit Séverine Pascal Katanda. Pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des interventions clés des programmes du gouvernement, une délégation de l'unité de gestion de programmes de développement des systèmes de santé s'est rendue dans le Sud Kivu. Il s'agit des suivis des activités du programme multisectoriel de nutrition et santé dans la province qui comprend la nutrition, planification familiale et achat stratégique, la gratuité de la maternité et la réhabilitation profonde des 60 établissements de soins de santé dont le lancement était fait par le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, hygiène et prévention. Une occasion pour le docteur Dominique Babo, coordonnateur de l'UGPDCS, de remettre aux autorités de la province des infrastructures sanitaires totalement réhabilitées. Bien évidemment, vous le savez, c'est un projet du gouvernement et si nous venons à la limite, c'est aux autorités provinciales de nous dire ce qui se passe parce que c'est eux qui assure la continuité et le suivi des travaux de toutes les interventions. Satisfait, le ministre provincial de la Santé, Dr Théophile Walukika, a remercié le chef de l'État pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous sommes très contents parce que ça va résoudre les problèmes de la prise en charge du couple mère-enfant. Et vous savez toujours les objectifs des chefs de l'État de protéger la population congolaise en soins de santé. Et pour ça, nous remercions la Banque mondiale pour l'appui au gouvernement à travers les projets programmes multisectoriels nutrition santé. Le programme multisectoriel de nutrition et santé est un programme du gouvernement financé par la Banque mondiale à travers l'UGPDSS qui vise à améliorer durablement l'accès et la qualité de services de santé dans la province.
Les bourgmestres de 24 communes de la capitale congolaise étaient en face du bourgmestre de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba a sollicité leur implication dans l'opération coup de poing visant à débarrasser la capitale de déchets et immondices. L'autorité urbaine leur a aussi présenté sa vision de lutter contre l'insécurité dans la ville et du Tchalakatala. Leur rôle est essentiel dans la mise en œuvre des politiques du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Les 24 bourgmestres de Kinshasa étaient en face de l'autorité urbaine pour écouter ce qui est attendu d'eux dans l'opération coup de poing et dans la lutte contre le banditisme urbain. Kinshasa Zobonga, programme du gouvernement provincial de Kinshasa, a ses axes prioritaires pour donner du lustre au siège des institutions de la République. Chaque bourgmestre sait désormais sur quoi il est attendu. Les lignes directrices sont claires, pas lieu d'en prétexter l'ignorance. L'insalubrité dans les communes, les Kulouna qui imposent aux paisibles citoyens d'éraser le mur parce que eux sont en furie, doivent être combattus avec acharnement par les bourgmestres. Avec l'opération coup de poing, et certainement les grosses artères seront assurées par la ville de Kinshasa, mais il revient aux différents bourgmestres de relayer cette même politique à travers les ruelles, à travers les caniveaux, de manière à ce que la propriété public soit maintenu et l'embellissement de la ville puisse réunir la totalité de toutes les différentes municipalités. Nous sommes dans l'obligation de proposer des idées novatrices pour redéfinir la carte sécuritaire dans le but d'accroître les différents éléments et surtout au niveau de la logistique pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Seuls les résultats jugeront des compétences de chacun. Les Kinoises et Kinois attendent de retrouver la beauté de la ville, la sérénité et la tranquillité du passé. Je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal, c'est fini avec les eaux gratuites des forages. Tous les forages auront désormais des compteurs intelligents. Décision prise pour lutter contre les captages d'eau illicites, une pratique qui prive la régie des eaux de ses ressources. Un nouveau projet de mise en conformité vient d'être lancé par le ministre de Ressources hydrauliques, Teddy Luamba. D'autres détails dans ce reportage d'Yvette Mapouti. Les projets de mise en conformité des captages illicites par une solution de comptage intelligente vient remettre de l'ordre dans un secteur qui en avait tant besoin. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, dit non au captage d'eau illicite. Une décision ferme contre les captages d'eau illicite, une pratique qui fait perdre à l'État congolais des ressources importantes et prive la régie des eaux de ses moyens. Ceci dit, désormais, chaque forage sera équipé d'un compteur intelligent. Le débit de consommation de eaux, que ce soit des eaux de captage ou souterraines, ont largement baissé en termes de consommation à la régie des eaux, mais il y a une prolifération de forages. Mais ces forages-là échappent au contrôle et à la taxe que les services de l'État perçoivent. Parmi les piliers qui nous ont été donnés dans ce programme du gouvernement, c'est de revitaliser la croissance économique en passant par le service de l'eau. Et je peux vous rassurer ici que le secteur de l'eau peut apporter beaucoup de ressources selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et raison pour laquelle nous avons préféré lancer cette campagne d'abord d'identification et puis de pose de compteurs pour pouvoir engranger beaucoup plus de recettes dans le compte du Trésor public. Cette mesure permettra à l'État de percevoir des redevances proportionnelles aux quantités d'eau réellement exploitées. La première phase de ces projets consistera en la collecte des données, l'identification des utilisateurs illicites et la géolocalisation de chaque captage. La phase suivante impliquera l'installation des compteurs chez les utilisateurs. Toutes les structures œuvrant dans l'encadrement de PME sont appelées à appliquer correctement les recommandations de la note gouvernementale d'information en matière de gestion. Le ministre de l'Industrie PME, Luiwatum Kabamba, l'a dit au cours d'une séance de travail organisée à Kinshasa. Cédric Inina était sur place. Les responsables de la RESPE, les FOGEC, la MADEC et la PROSEM autour du ministre de l'Industrie, Luiwatum Kabamba, au cœur de cette séance de travail, le strict respect de la note d'information issue du Conseil des ministres du 16 août 2024. Après un long moment observé dans le non-respect des textes régissant les modalités de versement des allocations, Luiwatum Kabamba, séance tenante, a décidé que toutes les structures évoluant dans le secteur de petites et moyennes entreprises puissent recevoir dans un délai relativement court leurs quotités respectives. Nous sommes totalement satisfaits. On va signer l'arrêté qui décide de la répartition de la redevance de la sous-traitance
à la base. Toute redevance qui sera payée tombera dans un compte tampon qui sera éclaté chez les différents allocataires. La Procem, la NADEC, le FOGEC, qui doivent bénéficier de ce quotidien. Les patrons de l'industrie ont élaboré une échéance raisonnable d'apurement des créances pouvant permettre à ces structures de fonctionner normalement. Mise au point du ministre et les règles telles que fixées vont nous permettre d'avoir une collaboration plus harmonieuse. Je pense que ce qui est important, c'est les débuts, de commencer d'abord. Nous saluons la démarche du ministre de pouvoir entamer cette démarche. Nous sommes derrière lui pour que cette démarche puisse réussir. L'amélioration du climat des affaires, un élément essentiel dans la vision du développement implémenté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que ces structures sont appelées à garantir. Production et vente du diamant artisanal en RDC. Un nouveau projet vient d'être mis en place par les centres d'expertise, d'évaluation, de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Origem A, c'est le nom de ce nouveau projet, présenté aussi à l'ambassadrice de la Belgique en RDC, Nadine Futuba, pour les explications. 13 ans après, Madame Roxane de Bilderling revient sur le trace du centre d'expertise, d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Elle connaît la coordination de la présidence congolaise du processus de Kimberley. Aujourd'hui, le contexte a changé avec un tout nouveau projet dénommé Origem A. Lors de sa visite dans cette structure du ministère de Mines, l'ambassadeur du Royaume de Belgique s'est entretenu avec le membre du CEC sur ce projet qui vise d'assurer un revenu décent aux travailleurs dans les mines artisanales en RDC. Il y a un partenariat qui existe depuis très longtemps entre la Belgique et la République démocratique du Congo sur le diamant. Et on voit maintenant ensemble à travers un projet qui s'appelle Origem A, qui veille à aider l'organisation de coopératives pour la production du diamant artisanal et surtout accompagner ces coopératives pour qu'elles puissent vendre leurs diamants à l'exportation dans de bonnes conditions, avec un bon prix, avec une bonne évaluation et avec aussi une très bonne traçabilité. Redonner confiance aux consommateurs et donc il faut arriver à redémontrer que ce produit est exceptionnel et est produit dans de bonnes conditions. Selon la chef de la mission diplomatique du Royaume de Belgique, le secteur du diamant a souffert du contexte international. Il faut relancer la confiance sur l'unicité, mieux le côté exceptionnel du diamant pour la vente utile de cette pierre précieuse. Des sévères mises en garde lancées contre les promoteurs et chefs des centres de formation. Tous les centres qui ne vont pas respecter les lois liées à la viabilité seront bientôt fermés. Des mises en garde lancées par le ministre des tutelles Marco Etila au cours d'un échange. Regardez. Se conformer à la loi sur la viabilité des centres de formation professionnelle en RDC, une exigence du ministre de la formation professionnelle qui a échangé le lundi 26 août 2024 avec les promoteurs, chefs de centre et détenteurs de mandats de gestion des centres au Salon Rouge de l'Hôtel du Gouvernement. À bâton rompu avec ses hôtes, Maître Marc Ekila a, d'entrée de jeu, présenté sa mission d'appliquer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de redresser le secteur de la formation professionnelle, ayant constaté un désordre dans ce secteur, notamment l'existence des centres fictifs et d'autres non conformes à la loi, un état de choses qui doit changer, a insisté le ministre Ekila. À mon arrivée à la tête de ce ministère, suivant la volonté du président de la République et de la première ministre, j'ai trouvé un désordre qui ne dit pas son nom. Un désordre d'abord en termes de gestion du personnel, un désordre en termes de centres de formation professionnelle eux-mêmes. Quand je dis centres de formation, là-dedans, je vois le personnel, je vois les contenus de la formation, je vois l'organisation de la formation, je vois même la viabilité des centres. Nous devons redresser la situation ensemble. Accompagné du secrétaire général, l'inspecteur général à la formation professionnelle, le directeur national du CNACPF, ainsi que son cabinet, Maître Marc Ekila s'est dit compter sur l'apport de tous. Il a plaidé pour un secteur de la formation professionnelle accessible à tous et clé de développement pour une main-d'œuvre locale compétitive.
C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Papi Shingina Mao, Mamitaba Angoulou. La partie technique a été assurée par Joël Mpiango, François Kapiamba, Rubens Kumbu. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30. Aimé Ndaya. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.